Elle est comédienne, chanteuse et entreprend à travers son art de mener un combat pour la justice en sacrifiant tout ce qu'elle est à Haïti, son pays. Et pourtant, pendant des années, elle devra vivre loin de ce pays qu'elle chérit tant. Mais attention, elle reviendra chez elle, d'où elle quittera ce monde. Un privilège peut-être, car beaucoup ont rêvé de le faire, mais ne réaliseront pas leurs vœux. Cette semaine, Les Années Folles rend hommage à Toto Bissainte. Pour parler de cette grande dame, qu'est Toto Bissainte, nous devons partir dans le nord du pays, plus précisément dans la ville du Cap, où va naître Marie-Clotilde Bissainte. Nous sommes le 2 avril 1934. Avec sa naissance, cette année-là, 1934, on dirait qu'elle contribue à chasser les soldats américains qui ont souillé le sol d'Haïti pendant 19 années. Ces derniers ont commis des crimes, mais aussi pillé les caisses de l'État, mais ils mettront surtout à mal le vaudou en persécutant ses adeptes. Marie-Clotilde, devenue Toto Bissainte, en réponse à l'envahisseur, va embrasser la cause des paysans, ses opprimés, ses oubliés. Elle se battra toute sa vie pour un monde de justice, mais surtout pour une autre Haïti. Toto Bissainte aurait fêté ses 90 ans le 2 avril dernier, mais elle est comme partie trop tôt, nous dit Milena Sandler, l'une de ses filles à qui nous avons demandé de nous parler de sa mère. En quelques mots, qui est Toto Bissainte, Milena Sandler? C'était une femme extraordinaire. Une mère, je me souviens de ses départs en tournée, etc., mais aussi beaucoup de ses retours. C'était, oui, quelqu'un qui était, là, je veux dire, la même façon qu'elle était sur scène, ce qu'elle avait à dire. Elle le vivait réellement, ce n'était pas deux personnes différentes, même si, bien sûr, quand elle parlait d'elle, de la comédienne, de la chanteuse, elle disait la dame, parce que c'était donc, voilà. Mais elle cherchait la justice à tous les niveaux. Voilà, une femme extraordinaire, d'une énorme générosité, profondément meurtrie par... par ce qui s'est passé en Haïti, ce qui se passe toujours en fait. Et c'est Haïti qui l'a tué. Toto Bissainte quitte Haïti à l'adolescence. Elle posera ses valises aux États-Unis, mais n'y restera qu'une année, le temps de se diriger vers la France. Elle a seulement 19 ans quand elle s'installe à Paris. Nous sommes en 1953. Elle se lance dans une carrière de comédienne et fonde quelques temps après la première compagnie de théâtre d'acteurs noirs, les Griots. En 1959, Toto Bissainte, qui est une personne entière et ne se trompe jamais de cause, joue dans le film Les Tripes au Soleil. Ce film du réalisateur Claude Bernard Aubert raconte une histoire d'amour entre un noir et un blanc. Le film sera censuré car il provoque une vague d'indignation, même du vandalisme. On ne mélange pas les genres pour certains. Mais rassurez-vous, les actes de vandalisme, loin d'ébranler Toto Bissainte, la confortent dans ses choix. Toto Bissainte refuse la facilité et ne s'arrêtera plus de faire du théâtre. Et en 1966, elle repasse devant la caméra comme actrice dans le film Le Noir 2 du réalisateur africain Ousmane Sembene. Nous pouvons parler de Toto Bissainte, si vous voulez, comme comédienne, et ses choix de pièces. Mais comme vous le savez, dans Les Années Folles, l'accent est mis sur la musique. Néanmoins, Toto Bissainte, la chanteuse, est intrinsèquement liée à Toto Bissainte, la comédienne. D'ailleurs, c'est en jouant sur scène que lui viendra l'idée non seulement d'écrire ses textes, mais surtout de chanter. C'est pour cela que dans sa façon de chanter, on a l'impression qu'elle n'en parle plus qu'elle ne chante. La musique vient la soutenir pour adoucir davantage sa voix. De toute façon, c'est elle qui donne le rythme. Et ce rythme-là lui vient du plus profond de son être, car il lui vient de son île. Mais avant tout, Toto Bissainte commence par interpréter des classiques français. Oui, je viens chanter, mais il faut un début à tout. Donc le début à tout, c'est les classiques français. Même si pendant ce temps, on va retrouver une petite composition par-ci, une petite composition par-là, qui renvoie directement à Haïti. C'est ainsi que lorsque sort son premier album en 1967, premier album, on verra vraiment si c'est le premier album. Au milieu des titres comme Le Métèque de Georges Moustaki ou encore Ou Lagueco, traduction de Toutes les salées de Charles Aznavour, on retrouve des titres comme Tu l'auras écalé, C'est bon, texte de Maurice Leroy,
Pablier du pianiste Max Piccion. Pour ce premier album, Toto Bissette est accompagné de musiciens comme Ferdinand Dor à la contrebasse, Antoine Osselin, Frédéric Charpentier. Son deuxième album sera un récital. Le troisième sort en 1975, puisqu'elle a commencé, elle ne s'arrête plus. Dans celui-ci, on a des titres comme Post-Machin ou Papa d'Ambala. Et deux ans plus tard, soit en 1977, Toto Bissette définitivement embraye le virage à gauche toute ou à droite toute, selon ce que vous voulez. Elle va chanter son pays Haïti. Elle va puiser son inspiration dans le vaudou, dans la paysannerie. Plus généralement, Toto Bissette dénonce ce qui se passe dans le pays sous la dictature, les crimes, exactions, et je le redis, elle se bat pour les laisser pour compte. Ce quatrième album est titré « Toto Bissette chante Haïti ». Jour pour lever n'a travail, soleil fin coucher n'a travail. Mais tout le monde c'est moun, c'est même mettre là qui crine. Mais pour qui ça nous pas gain liberté? Nous étions en 1977 quand Toto Bissette fait ses constats. Malheureusement, l'actualité d'aujourd'hui nous montre que tout ce que nous ne voulions ni voir ni comprendre jusque-là arrive. Nous savons qu'il y a des femmes et des hommes qui ne s'étaient jamais trompés de combat. C'est le cas de Toto Bissette, et qui ont combattu l'injustice perdurant encore au XXIe siècle. Je ne sais quel mot aurait utilisé Marie-Clotilde Bissette pour qualifier les événements d'aujourd'hui, mais nous imaginons bien la voix de Toto Bissette dénonçant l'état du monde, mais surtout la tristesse, les failles encore plus profondes du pays que lorsqu'elle se battait il y a de cela plus de 40 ans. Et dire qu'à cette période, on lui reprochait son choix de chanter Haïti, de dénoncer ce qui ne va pas. Elle a cherché à retourner en Haïti quand c'était à nouveau possible d'exercer son métier en toute liberté, je dirais. Et quand elle est rentrée, eh bien, voilà, on n'a pas cherché à... Personne n'a voulu. Elle est quand même retournée travailler en Europe et aux Antilles et partout d'ailleurs. Oui, alors elle avait des projets de théâtre, elle avait beaucoup de choses qu'elle a toute sa vie, elle a voulu ça quoi. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Il y a des questions restées sans réponse malgré des écrits, des études. Et comme ces questions restent sans réponse, elles nous dirigeront forcément vers le lieu où tout a commencé. C'est la démarche qu'a effectuée la chanteuse dans le film « En allée » de Irène Liechtenstein en 1989. Toto Bissette visite l'île de Gorée au Sénégal, le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine du 15e au 19e siècle. Selon l'UNESCO, cette île mémoire est pour la conscience universelle le symbole de la traite négrière avec son cortège de souffrances, de larmes et de morts. Mais ce voyage effectué sur l'île de Gorée pour aller à la source sera en quelque sorte sans réponse, comme le dit sa fille, car si sur place les vestiges sont bien là pour rappeler la traite négrière, les raisons qui ont poussé des personnes à vendre d'autres personnes restent sans réponse. Vous comprendrez bien que Toto Bissette chante, certes, mais elle ne chante pas uniquement pour chanter. Elle chante parce que chanter, c'est chaque timoun qui l'éveille d'ouvant jour. D'état café, timoussoura padou. C'est les soleils couchés, c'est les lanines nambelles. Les lamelles ouvrent brâle pour l'attraper lac-en-ciel. Dans ce même texte, elle continue pour dire « chanter ». C'est scier chez chaque fois, mon vie crier. C'est litanie tout le monde cap vive à quai cassé. Crier pour l'enterrement cap chanter en babal, aujourd'hui encore. Chanter, alors j'ai rajouté aujourd'hui encore, bien sûr. Chanter pour toute petite qui fait que pédi papa, yo pédi maman, je dis à tout. Chanter, c'est chaque grand goût, la misère qu'a donné. Et puis plus loin, pratiquement pour finir dans son texte, avec peut-être l'espoir que tout ça n'est que rêve, elle dit, chanter ses voix en pep depuis tout temps guettant. Chaque petit monde qui l'avait à poter le pidouvant, chanter ses voix en pep depuis sous grand chemin. Chanter ses voix en pep, cap plaider pour demain. Chanter, qui dit goumain, pour la vie à vine belle. L'artiste à qui nous rendons hommage aujourd'hui, ce n'est pas juste la chanteuse que je viens de parler, qui montait sur scène pour gagner sa vie.
Tous les choix de Toto Bissainte durant sa carrière ont été marqués par cette quête de justice, en dénonçant la justice. Du moment qu'elle a fait ses études de théâtre et qu'elle a foulé les scènes, la vie de Toto Bissainte sera régie jusqu'à sa mort par ce combat contre la résignation des conditions de vie, mais aussi par la dénonciation des horreurs qui se passaient également en Haïti, parce qu'elle embrasse le monde, Toto, dans son combat. Le monde noir l'intéresse davantage. Et bien l'amour que Toto Bissainte porte à Haïti, porte à son pays, lui a fait dire, chanter qu'elle ne l'aime plus. C'est comme un cri de haine. Mais dans ce cri de haine, vous pouvez y lire la passion, l'amour. Elle chante « Haïti, m'par aimer encore, m'par aimer encore. » Cette chanson figure sur l'album Rétrospective. Toto Bissainte ne pensait pas devenir chanteuse, pourtant elle va sortir. C'est pour ça que je vous disais attention au premier album que j'ai dit en 1967, un premier album. Alors, c'est toujours un petit peu confus malgré tout. Est-ce que ce premier album, c'est le premier album ou bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle d'un premier album qui serait sorti en 1961, un album hommage au peuple haïtien, à sa force, sa culture. N'oubliez pas que Toto Bissainte puise son inspiration dans le vaudou, parce que le chant vaudou représente pour elle la résistance culturelle. Mais elle ne restera pas figée dans la tradition, elle s'ouvrira à d'autres formes musicales. Aujourd'hui, si on essaye de qualifier les compositions de Toto Bissainte, on pourrait dire qu'elle chante du vaudou jazz. En tout cas, Toto Bissainte était ouverte à toute forme de musique, à toute forme musicale, à tout genre. Toto Bissainte a été censuré. Alors, Toto Bissainte, le film dans lequel Toto Bissainte jouait a été censuré en 1959. Sachez que des années plus tard, elle sera aussi censurée par la dictature. Mais la communauté internationale la soutient et c'est malgré l'exil qu'elle aura l'occasion de faire des représentations en Haïti. Mais revenue sans crainte au pays après le départ en 1986 de Baby Doc, Toto Bissainte constate avec amertume les dégâts de toutes ces années d'horreur et la défaillance de la classe politique la fera fuir à nouveau. Mais a eu le temps de faire le constat et ce qu'est devenu Haïti en appel au Deyo, après les Deyo, Haïti, oh. Deyo, après les Deyo. Haïti, oh. Alors, Day, après 1986, on est en 2024. En tout cas, Toto Bissainte a collaboré avec pas mal d'artistes, parmi lesquels Tikoka, en plus d'avoir travaillé sur ses albums avec le Ferdinand d'Or Jazz Quartet. Toto Bissainte meurt en Haïti en 1994, à l'âge de 60 ans. Sa fille dit que Haïti l'a tué. Toto Bissainte a joué sur les plus grandes scènes internationales telles que le Carnegie Hall à New York, le Madison Square Garden, au Palais des Glaces à Paris, au Théâtre d'Orsay. Elle a joué dans Asian Corner, film fait en créole de Raoul Peck, puis L'Homme sur les quais, film dont la composition musicale revient à Amos Coulanges. Toto Bissainte est une icône de la résistance car elle ne s'est jamais détournée de son combat. Les années folles, c'est fini pour aujourd'hui. C'est à notre façon, à nous, de rendre hommage à cette grande artiste, à nul autre pareil, à cette combattante, à celle qui n'a jamais baissé les bras jusqu'au bout, à celle qui a su revenir dans son pays et qui est partie d'Haïti, elle qui est pourtant a passé 30 années dehors. Les années folles, c'est ça, le lieu où on rend hommage aux artistes qui ont marqué leur temps. Si vous aimez les publications d'Haïti Inter, vous pouvez tout simplement vous abonner sur notre chaîne YouTube Haïti Inter. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Et puis, calma, calma, comme dirait le Méridional des Cailles, patientez, votre magazine arrive bientôt. Entre-temps, vous pouvez nous soutenir toujours en vous abonnant. Ça, c'est le premier pas. En partageant nos contenus. Et comme je le dis, si vous le voulez bien, avec ce bouton « Merci ». Sinon, allez sur le site. N'oubliez pas de télécharger l'application de Haïti Inter pour écouter toute la musique de Toto Bissainte. Je vous le dis, toute la musique de Toto Bissainte et bien d'autres encore. Allez, au revoir et à bientôt.